Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui, je dis? Mais c'est ça, c'est ce qu'il me semble. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux là ce soir. C'est une chose importante pour nous puisque l'un des derniers films, pas le dernier, le dernier c'est Attila Marcel, mais l'un des derniers films de Bernadette est né dans cette école, a été écrit par des étudiants qui sont dans cette école, dont l'une représentante est là, je l'ai vue tout à l'heure, Laurie, au fond de la salle, dans un atelier d'écriture qu'on a monté dans cette école, et c'est ici qu'est née Paulette. Un certain nombre de textes,
autour de Bernadette, etc. Je leur laisse la parole. Bon, mais d'abord, je voulais vous dire que j'ai connu Bernadette quand on jouait avec Gérard Blin à Nîmes, quand elle a rencontré Gérard, et mais je l'ai connu brièvement. Vraiment, j'ai connu pendant le tournage des Bonnes Femmes, et elle m'a tellement impressionnée, celle-là. Tellement j'étais impressionnée, parce que tout était facile avec elle. Et tout ça, et moi, je disais que je ne savais pas comment bouger. Tout. C'était vraiment un vrai sens. J'étais certainement un petit peu envieuse de sa facilité. Et puis voilà, c'était... Bon, on s'est bien amusé. Et puis voilà, elle me manque, comme elle manque à tous ceux qui l'ont connue et tous ceux qui l'ont admirée. Et voilà, donc on va essayer de lire ces textes qui vont un peu parler d'elle. Je commence ? Ah ben, mais d'accord. Alors, ça va le micro là ? Très bien. On m'entend, ça va ? Là, comme ça ? Bon. Parfait. Alors, Bernadette Lafont, vue par François Truffaut. C'est toujours avec émotion que je retrouve Bernadette Lafont. Son nom, son visage, sa silhouette fixée dans les magazines ou son corps ondulant dans un film. Car bien que je sois son aînée, nous avons débuté le même jour de l'été 57. Elle devant la caméra et moi derrière. Le titre du film inscrit sur le clap était « Les Mistons ». Le cinéma tenait Bernadette Lafont et ne la lâcherait plus. 20 fois, 30 fois, je l'ai revue sur l'écran. Artiste fantaisiste et rigoureuse en même temps. Jamais démagogique, droite chandelle, jamais vacillante, toujours vaillante, jamais éteinte. Quand je pense à Bernadette Lafont, actrice française, je vois un symbole en mouvement, le symbole de la vitalité, donc de la vie. François Truffaut, Vagabondage, Studio 43, 1984. Bien qu'elle soit très féminine, très jolie et très agréable à regarder, si je devais comparer Bernadette Lafont à quelqu'un d'autre en faisant du cinéma, je ne la comparerais sûrement pas à une autre femme, mais je la comparerais à des hommes. Elle me ferait plutôt penser à Michel Simon, par exemple. Et je pense que la chose la plus importante qu'elle pourrait faire dans sa carrière de comédienne, si elle avait la chance de rencontrer sur la route quelque chose comme ça, ça serait une espèce de version féminine de Boudu sauvé des eaux. François Truffaut, émission cinéma de Philippe Laïc et Frédéric Rossif, le 18 mai 1967. Moi, j'ai rencontré Bernadette, le deuxième film dans lequel j'ai participé, qui s'appelait « L'eau à la bouche ». Elle jouait avec Michel Galabru, la bonne, et lui, le serviteur de moi-même et Françoise Brion dans notre château dans le sud-ouest, sud-est de la France. Voilà, et elle était absolument épatante. Moi, j'étais époustouflée par sa liberté, par sa façon, par ses mimes, par ses... Jamais vu une chose pareille, ni avant. J'étais déjà un petit peu, enfin, cinéphile, donc j'avais quand même vu... Là, tout le monde, Arlettie, tout ça, là. Mais alors Bernadette, elle était d'une originalité, d'une façon, et puis d'une drôlerie. Je ne sais pas à combien de degrés, c'est pas premier, non, deuxième degré, très intelligente et tout. Et on est toujours restés amis, on a vécu par la suite, quelquefois dans le même village, avec ses deux filles, son mari, Durka. Après, enfin, nos chemins, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas Stéphane, ne se sont pas toujours croisés. Mais avec elle, plus qu'avec d'autres amis comédiennes. Voilà. Donc, et puis, donc je lis là, lettre de François Truffaut à Bernadette Lafont, son date, circa février 71. Chère Bettina, je ne vous ai pas obtenu au téléphone, j'ai vu pour vous les stances, entre guillemets, à Sophie. Je n'ai pas beaucoup aimé le film, surtout en ce qui concerne le metteur en scène. Il filme de loin, ce qui devrait être rapproché, de profil, ce qui devrait être de face, et il met de la musique
quand il faut du silence, etc. Le scénario est intéressant, avec 4 ou 5 scènes vraiment fortes, bien tournées. C'était un vrai succès. Par exemple, ça aurait été un vrai succès, oui. Par exemple, filmé par Chabrol. J'ai beaucoup aimé Michel Chaussoy parce qu'il joue honnêtement, sans essayer de rendre son personnage prestigieux, et je vous ai trouvé formidable. Si je ne le pensais pas, je ne vous dirais pas, et je ferais croire que je n'ai pas vu le film. Vous jouez audacieusement, courageusement, sans psychologie, avec un grand instinct poétique. Je regrettais que Renoir ne soit pas dans la salle, car il vous adorerait. À bientôt, je vous embrasse, François Truffaut. Pourquoi une belle fille comme moi, par François Truffaut. Un jour, dans l'avion Paris-Madrid, j'ai ouvert un roman américain intitulé « Such a gorgeous kid like me » et, en m'entendant hurler de rire à chaque page, l'hôtesse est allée prévenir le chef pilote qu'un passager devenait fou et qu'il fallait peut-être alerter la tour de contrôle. En même temps que le rire provoquait en moi les plus vives douleurs physiques, derrière les faits et gestes de l'héroïne du roman, Camille Bliss, je voyais se surimpressionner Bernadette Lafont, comme si l'auteur Henry Farrell avait pensé à elle en écrivant son livre. De retour à Paris, je voulus acheter les droits du roman et j'appris qu'ils étaient la propriété de Columbia Pictures. Un contrat Columbia dans la poche, il me restait à convaincre Bernadette Lafont. Sachez qu'il m'a suffi de lui faire entendre le bruissement des pages du livre feuilleté dans le téléphone. Il faut dire qu'on s'est bien amusés tous les deux en tournant l'émission, le film de nos débuts respectifs. À cette époque-là, je me prenais les pieds dans tous les câbles, et je confondais la caméra avec le projecteur. Quant à Bernadette, qui n'avait pas 20 ans, il lui suffisait d'entrer dans la pièce et de dire bonjour pour faire claquer 3 lampes floues. François Truffaut, 4 février 72. Lettre de François Truffaut à Bernadette Lafont, le 17 avril 1973. Ce mardi, 17 avril 73. Chère Bernadette, merci pour votre petit mot reçu ce matin. Il montre que votre morale est excellente. Je vous donne quelques nouvelles brèves avant d'aller voir la copie zéro de La Nuit américaine, malheureusement sans Glenn, qui a préféré sauter sur l'occasion d'aller filmer une semaine au Cambodge. Jean-Pierre va bien, il se repose quelque part en France. Je ne sais pas encore si le film d'Eustache ira à Cannes, probablement que oui. Je vous ai trouvé excellente dedans. Très vrai et très sévère. Sévère. Je savais pourquoi, mais il se trouve que ça rend service au film. L'autre fille est également très bien. Jean-Pierre est formidable dans 1 scène sur 3, possible dans 1 scène sur 3, et franchement mauvais dans 1 scène sur 3. Et en foutant une bonne heure de film au panier, ce que j'ai vu dure 3h30, c'eût été idéal pour JP et pour le film. Mais Dieu ne l'a pas voulu, ce Dieu dont la diarrhée verbale prend par moments l'ampleur d'une colique néphrétique. Cela écrit, le film a plus ou moins la force des pièces d'O'Neill qui emmerdent tout le monde dans leur première heure, font partir tout le monde dans leur deuxième heure et sangloter ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je maintiens que le film est bon pour vous et s'il doit enchanter tous ceux qui n'ont pas aimé une belle fille comme moi, ça fera déjà pas mal de clients. Je ne parle pas des sages style Jeanne qui devraient aimer les deux. Le film d'Eustache, ayant droit à 25 briques de prime à la qualité, votre compte en banque, très logiquement et avant même la sortie, doit s'en trouver conforté. C'est une bonne nouvelle, hein. Dans le même temps, notre belle-fille est sortie à New York avec une presse à 80% élogieuse, sortie à Londres dans 2 semaines. Très grosse recette à Stockholm et en Finlande. Voilà. Je vous envoie quelques articles de New York et publicité pour exercer votre anglais. Patricia, finally, est entrée à sa demande à la clinique de Garches. J'aurais dû parler de cela plus haut car je trouve qu'elle s'installe aussi complaisamment que Stage dans sa névrose. Celle des gens tordus et contents de l'être. Dommage que votre santé ne soit pas plus contagieuse. Elle l'est quand même un petit peu, soyez-en assurés. Malgré tant d'efforts conjugués, les gants blancs du diable ne marchent pas fort. Je crois que le mot « diable » est rebutant pour le public hésitant, et beaucoup de critiques ont déconné, mais je crois beaucoup à l'avenir de Laszlo. Voilà Bernadette. Je peux vous dire quelque chose que je ressens, un peu de regret que notre film ne vous ait pas fait professionnellement autant de bien que je l'espérais.
Cependant, grâce à votre énergie, je vous crois en avril 73 en meilleure situation qu'en avril 71. Et cela compte tenu que toute vie n'est qu'un processus de démolition. C'est positif. Bonnes vacances. Je vous embrasse affectueusement, François. Lettre de François Truffaut à Bernadette, lundi 5 janvier 81. Chère Bernadette, votre petit mot me touche beaucoup, d'autant plus que notre rencontre de hasard le soir de la boum m'a laissé en état de malaise. La comédienne romérienne qui m'accompagnait a exprimé sa surprise dans ces termes. La tiédeur de votre rencontre avec Bernadette, elle, m'a étonnée. Je croyais que vous gardiez des relations chaleureuses avec vos actrices. Je lui ai répondu qu'effectivement, je sentais une forte réserve de votre côté, mais que j'en ignorais la cause, compte tenu de mon manque de psychologie, qui m'amène parfois à compliquer les choses les plus simples. Laissons de côté les mistons, où nous nous lancions ensemble dans le grand bain avec notre enthousiasme pour seule bouée. Vous souffrez beaucoup, vous souffrez un peu, beaucoup, dans votre carrière de l'image autocollante créée à travers vos premiers films. Longtemps, vous avez espéré rencontrer le rôle grave qui contredirait l'image me casserait ou l'équilibrerait, et j'aurais dû vous apporter cette possibilité. Au lieu de cela, je suis venue avec une belle fille comme moi et un rôle que je continue à trouver bon et fort, mais qui vous ancrait davantage dans l'emploi connu et reconnu, et en un mot attendu plutôt que surprenant. Heureusement pour vous, la maman et le putain a pesé, et pesé fort, sur autre plateau de la balance. Dans mon travail depuis 20 ans, il y a du bon, et puis du moins bon. Je n'ai aucune indulgence pour des ratages tels que la mariée était en noir, domicile conjugal, l'amour en fuite, et si je vous le dis, c'est pour vous convaincre, non pas de ce que une belle fille comme moi est un bon film, mais de ce que je le vois, moi, comme mon film, éventuellement incompris dans ses intentions et sous-estimé dans son exécution. En effet, nos routes ne se croisent pas souvent, mais cela ne m'empêche ni l'amitié ni l'affection. Début janvier 79, il y a donc déjà 2 ans, j'étais loin de penser que j'allais tourner un film avec Catherine D, Gérard D, Poiré, Ferriol Jean-Louis Richard, Sabine Houpin. À vrai dire, je cherchais une histoire qui me permettrait, entre nous, de faire tourner Michel Serrault et Françoise Fabian. Mon travail est moins planifié qu'on peut le croire de l'extérieur. Nos chemins ne se croisent pas souvent, mais nulle barrière ne les empêchera de se croiser à nouveau pour le meilleur, le pire ou le moyen. Nous pourrons avoir un tournage délicieux et un mauvais résultat à l'arrivée, ou le contraire, ou encore le contraire du contraire. Tout est permis, tout est possible, tout est ouvert. J'ai répondu peut-être un peu trop longuement à votre lettre. Elle m'a fait vraiment plaisir, car à moi aussi, cela procure un petit choc de vous voir, de vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne année, chère Bernadette, et je vous embrasse. François Truffaut. Bernadette Lafont, vue par Claude Chabrol. Le beau Serge. C'est la productrice qui m'a décidé à prendre Bernadette pour le rôle de Marie dans Le beau Serge. Par productrice, j'entends mon épouse, Agnès Goutte. Nous étions allés voir les mistons que François Truffaut montrait au petit cinéma du Panthéon. Et en sortant, ma femme m'a dit « Ah, elle est formidable ». J'ai dit « Alors, on la prend pour Le beau Serge ?» Elle a dit « Oui, oui ». Cela a été le premier déclencheur pour prendre Bernadette.
Mais cela fait un tas d'histoires avec Gérard Blin qui n'avait pas trop envie que sa femme fasse du cinéma. Lors du tournage, étant donné qu'elle n'avait pas pris de leçons de comédie, j'ai conseillé à Bernadette d'être la plus naturelle possible, d'être plutôt du côté des comédiens amateurs du film plutôt que de celui des professionnels. Claude Chabrol, dans Claude Chabrol, mon premier film, de Francis Giraud, 2003. L'aide de Bernadette Lafont à sa mère, 6 décembre 1957. Sardan, 6 décembre 1957. Hier, premier tour de manivelle du Beau-Serge. L'équipe est presque complète. Il y a donc un monde fou et tous très jeunes. C'est très sympathique. Il y a même une maquilleuse qui doit arriver aujourd'hui, je crois. C'est Jean-Claude qui a été du premier plan. Tout le monde guettait Chabrol, évidemment. Il a été parfait, très calme, très sûr de lui, froid et lucide, parfait. J'ai également tourné dans l'après-midi une petite scène avec Jean-Claude. Cela s'est très bien passé. J'ai eu un trac fou à la première prise. Il y a le son, tu sais, et pris en même temps. Je suis contente de te dire que Chabrol a été très content de moi. Et Gérard m'a aussi trouvé très bien. Il avait 4 répliques à dire. Ce n'était donc pas grand-chose. Comme habillement, cela a été assez difficile. Finalement, j'ai tourné avec une robe verte, une jaquette de laine par-dessus, qu'on m'a prêtée, et sur la jaquette, une vieille ceinture noire et au pied des pantoufles. Je vais me faire faire dans un magasin de Sardan une blouse de mon imagination et une jupe marron. J'ai trouvé un vieux blouson marron qui fera très bien aussi. Voilà pour le moment pour les costumes. Sardan, 18 décembre, là c'était le 6. 18 décembre 57. Hier, j'ai enfin tourné. Une des scènes les plus pénibles, la mort de mon pseudo-père. Et il fallait pleurer. Ça a été bien pénible. J'ai bien pleuré seule au début, mais à la fin, je ne pouvais plus. Et c'était les gros plans. Alors Chabrol, metteur en scène, est rentré dans le jeu et a très habilement fait pleurer. Il paraît que c'était bien. Enfin, il faut attendre les projections. De toute façon, j'ai horreur de ça et j'ai pas de chance. Dans chaque film, il faut que je pleure. C'est pas marrant. Pourvu que ça soit bien. Le soir, j'étais bien fatiguée et je me suis mise au lit de bonheur. Je ne sais pas quand je retournerai, mais j'ai fait une des scènes les plus difficiles et je ne m'en suis pas mal tirée. Sardan, 5 février 58. Hier, j'ai encore tourné. Un gros plan en supplément. Nous avons vu ce matin des rushs de la bagarre Jean-Claude Gérard. Extraordinaire de vérité. Ce film sera formidable. L'aide de Bernadette Lafont. Les bonnes femmes par Claude Chabrol. Pour les bonnes femmes, il y avait quelque chose de formidable à faire dans tout ça. C'était de choisir les actrices. Au départ, j'avais en tête Bernadette. Ça, c'était à peu près sûr. Et aussi Clotilde Joanneau. J'envisageais de faire tourner aussi Stéphane Audran, que j'avais déjà fait tourner un peu dans Les Cousins, mais en tout bien tout honneur, à l'époque. Quant au ton à avoir, je leur avais donné Bernadette comme référence. Avec elle, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, quelle que soit la phrase qu'on lui fait prononcer, elle ne la prononcera pas comme tout le monde. J'étais donc tranquille et je disais simplement à mes comédiennes, vous n'avez qu'à essayer musicalement de vous placer par rapport à Bernadette, soit légèrement en dessous, soit légèrement au-dessus. C'est elle qui m'a servi de voix pivot pour le film. Claude Chabrol, dans le film Chabrol à table, d'André S. Labarthe, 1985. Ah, oh, ben c'est encore moi. Les bonnes femmes, lettre de Bernadette Lafont à sa mère, sans date, vers le 16 novembre 1959. J'ai commencé à tourner Les bonnes femmes aujourd'hui. C'était le premier jour de tournage aussi. Je n'ai fait que 2 plans, peu importants, mais ce soir, à 8 heures, je recommence jusqu'à minuit des scènes plus importantes. Le scénario est bon, très bon pour moi. J'ai le rôle d'une midinette qui aime bien rigoler et s'amuser, et couche un peu avec n'importe qui, encore une fois. C'est difficile à expliquer. C'est un rôle nuancé et subtil qui, si je m'en tire bien, pourra me rapporter beaucoup. Je la vois en train de dire ça. Le tournage promet d'être fatigant car tout est en extérieur et intérieur réel. Il n'y a pas de studio du tout.
18 novembre 59. Je tourne toute la journée de 10h du matin à 7h du soir. J'ai vu des rushs ce soir, très très bonnes pour moi. Je m'amuse beaucoup avec ce personnage des bonnes femmes. Il me plaît et je crois que j'en ferai quelque chose de bon. En ce moment, nous tournons à 5 minutes à pied de la maison. C'était rue Campagne Première, j'habitais. Dans une boîte de nuit appelée La Villa. Nous y avons tourné aujourd'hui et encore demain. Je suis harassée le soir, d'autant plus que samedi et lundi, il a fallu se lever à 6h30 du matin pour tourner à 9h. Quelle vie! 25 novembre 59. Ouf, me voilà rentrée de tournée. Il est 8h et je pars à 8h du matin. C'est dur, dur, dur. Enfin, le tournage est formidable et c'est un rôle merveilleux pour moi. Mais crevant. Je suis morte le soir en rentrant. Nous avons tourné 4 jours au jardin. Le jardin d'acclimatation. J'ai pu à loisir contempler les animaux. C'est passionnant et triste à la fois. Pauvre bébé condamné à la prison. Surtout les grands oiseaux et les mammifères. Je t'envoie une photo parue dans Paris Presse. Il y a beaucoup d'atmosphère et c'est tout le film. Tu pourras juger ainsi. Je sympathise beaucoup avec Stéphane Audran, qui est la femme, l'ex-femme de Trintignant que je connais depuis longtemps et dont je t'ai déjà parlé. 4 décembre 59. Je m'entends assez mal avec les filles qui jouent avec moi, à part Stéphane, charmante et drôle. Les deux autres sont inintéressants. Bon, ben oui. Nous allons. Mais c'est vrai que. On a bien rigolé. Hein. Nous allons avoir terminé la boutique et commençons la semaine prochaine, la piscine. J'appréhende car c'est très fatigant de rester dans l'eau toute la journée, même chauffée. 11 décembre 59. Nous avons commencé la piscine hier. Tuons. Nous faisons midi 8h, mais il faut être là-bas à 10h30 pour le maquillage. Encore une fois, quelle vie! Il fait froid, je prends toutes les précautions possibles, elle écrit à sa mère. Peignoir, serviette de bain, etc. Mais c'est très fatigant et je rentre vannée me coucher. Alors là, je vais vous dire, pour la piscine, quand elle dit « je suis fatiguée » et tout ça, moi je vais vous dire, c'est qu'entre les tournages, entre le tournage et les répétitions, on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. On était deux monstres. On voulait pousser tout le monde à la piscine. Les producteurs, les frères Hakim, qui étaient plus vieux que nous, alors dès qu'ils nous voyaient, ils disparaissaient. Et, non, mais on était des monstres. Et le photographe, je ne sais plus son nom, mais il était plus vieux que nous, il avait 50 ans, il était un vieillard. Donc, non, mais il avait ses appareils. Comme ça, il avait des lunettes très myopes. On l'a foutu dans l'eau. Oh. Ah oui, et il ne savait pas nager. Non, mais quand je pense à ça, on était déchaînés, c'était terrible. Et avec ses appareils photo, hein. Et on s'est pas excusé ni rien du tout. On était contents d'avoir poussé, c'est tout. Alors, vous savez, on n'arrêtait pas. Et puis, dès qu'on avait un moment, elle a téléphoné à tous les gens des cahiers pour leur dire des grossièretés. Alors, quand elle dit « je suis fatiguée », c'est pas seulement du tournage. Alors, 16 décembre 59. Nous avons enfin terminé la piscine hier. Ça a été très crevant. Enfin, je n'ai pas pris froid. J'ai simplement des boutons à cause de l'eau de la piscine. Aujourd'hui, on tourne à la Bastille, au concert Pacra, des scènes de spectacle. Il me reste environ une dizaine de jours de tournage, tous à la suite les uns des autres. C'est horriblement fatigant. Je crois dire que c'est fatigué. Alors qu'elle a une nature extraordinaire. Donc, je n'ai jamais vu fatiguée, moi. Hein. Mais pour sa mère, je ne sais pas. Jamais un film ne m'aura autant crevé. Bon, d'accord. Alors, 21 décembre 59. Hier, j'ai tourné jusqu'à minuit une scène importante. Ça s'est très bien passé. À la fin de la semaine, j'aurai fini. Je suis très fatiguée du film. Songe qu'il y a 43 jours que l'on tourne et que je n'ai eu qu'un seul jour sans tourner. Et je fais 10 heures par jour en comptant le maquillage. J'ai besoin d'oxygène. 23 décembre 59.
Je vais aller voir Les Roches ce soir. Il paraît que j'ai été extraordinaire dans une scène importante. Je crois que ce film me rapportera beaucoup, car j'ai un rôle très important et je crois l'avoir réussi. C'est bon. Alexandra, toi là. C'est toi là, la barre de Stéphane. Oui, mais j'avais envie de retravailler avec Bernadette Lafont et avec Jean-Claude Brialy, inspecteur Lavarde, Claude Chabrol. J'avais envie de retravailler avec Bernadette Lafont et avec Jean-Claude Brialy, mes comédiens du Beau Serge, pour interpréter des personnes que l'inspecteur Lavardin n'avait pas revues depuis 20 ans, cela m'amusait de prendre des acteurs avec qui je n'avais pas tourné depuis aussi longtemps. J'ai donc fabriqué les rôles. L'un qui lui convient bien et l'autre qui est complètement à contre-emploi. J'aurais pu intervenir, faire en sorte que le personnage de Bernadette soit plus proche de ce qu'elle fait d'habitude et le personnage de Jean-Claude complètement à contre-emploi. Il s'est trouvé dans le scénario que c'était plutôt le personnage de Bernadette qui était à contre-emploi par rapport à elle. On en a parlé et on a fini par décider qu'en blonde, elle passerait très bien puisqu'on avait l'habitude de toujours la voir en brune. Son personnage d'Hélène n'est pas à tiroir, même si elle donne l'impression que c'est elle qui en a le plus caché. En réalité, elle ne cache rien. Elle a une vie en dehors de la vie qui passe. C'est pour cela que je l'ai mise tout le temps dans des cages de verre. Elle passe son temps à ne pas regarder les gens, à regarder ailleurs. Elle est complètement limpide, transparente. Elle vit dans un univers qui n'est pas réel et qui appartient au passé. Cela lui suffit. Ce rôle de bourgeoise mélancolique, vivant hors du monde, est pour Bernadette un contre-emploi absolu. Claude Chabrol, propos recueillis par Jean Rabinovicius, cinéma, blablabla, le 12 mars 1986. Guillaume. Il n'y a pas ça avant. Hein. Alexandra, ouais. Vadim a inventé le bébé. Ah ben, enfin... Non, donne-le moi, hein. Je viens faire. Alexandre, ah non, ça c'est... Bernadette Lafont, vu par André S. Labarthe. Vadim a inventé bébé, tout le monde s'accorde là-dessus. Avec Bernadette, c'est un autre corps qui s'offre au spectateur. Un autre corps, c'est-à-dire un autre regard. Un autre sourire, une autre bouche, une autre voix, mais aussi une autre gestuelle, une autre façon de marcher, de bouger, de se tenir, bref, un autre système de pensée. Bernadette ajoute une goutte de poison à l'innocence de bébé et son complice Jégoff, ah non, de poison, je veux dire de conscience. Et c'est tout naturellement Chabrol avec son complice Jégoff qui va établir l'inventaire de ce corps nouveau, comme disent les chimistes, avec deux films que je vous invite à revoir tout à fait incessantes. Les Bonnes Femmes et Les Godelureaux. Deux bides historiques aussi scandaleux en leur temps que le fut Olympia de Manet en 1865. Donc, vous voyez ce qui s'est passé avec Bibi, Brigitte Bardot, de Vadim, l'inventeur à Godard, le taxinomiste, se répète avec Bernadette, de Truffaut à Chabrol. Truffaut invente Bernadette, Chabrol et Jégoff la mettent en pièces, avec cette difficulté supplémentaire que chez Bernadette, le double jeu est une seconde nature, double sourire, double regard, ironie de la parole. J'ai l'habitude, quand elle me dit bonjour, je sais ce qu'elle veut dire. Je te vois venir, alors on joue à deux. André Labarthe, entrevue, Festival international du film de Belfort 2005. Pardon, j'ai vécu moins de choses avec elle, mais j'ai fumé beaucoup de clopes.
Une enfance gardoise de Saint-Géniès de Malgloirès à Nîmes par Bernadette Lafont. Mes 10 premières années ont pour cadre un charmant village gardois, Saint-Géniès de Malgloirès, situé sur la ligne de chemin de fer qui relie Nîmes à Alès. Petit village sans histoire, né de la réunion de plusieurs mâts dévolus à la culture de la vigne, Saint-Géniès tirait une fierté particulière d'avoir élu en 1790 le premier maire noir d'une commune française, Louis Guizot. Mais depuis le 19e, le temps semblait s'être arrêté ici. Je n'ai connu ce village qu'à travers les nuages de poussière soulevés par le va-et-vient permanent des charrettes transportant hommes et bêtes, foin et raisins. À l'époque, les chemins avaient encore la blancheur immaculée de la pierre écrasée. Mon père était le pharmacien du village. Autrement dit, une sorte de notable au même titre que le curé, l'instituteur et le médecin. D'ailleurs, je n'étais pas loin de penser qu'il était le vrai maître de la commune, chacun venant indifféremment lui confier ses états d'âme et ses désordres gastriques. J'aimais beaucoup mon école sur laquelle régnaient deux institutrices. La rumeur disait qu'elles étaient ensemble. Cela ne semblait déranger personne, surtout pas mes parents, qui ont toujours fait preuve à ce sujet d'une très grande tolérance. Mademoiselle Ranquet était particulièrement liée avec mes parents et entraîna d'ailleurs mon père vers le Parti communiste. Preuve de nos liens indéfectibles, nous embarquâmes les deux demoiselles lors d'un voyage mémorable sur la Côte d'Azur à bord de la 4 chevaux de mon père. Et moi, je me suis retrouvé à l'arrière, solidement calé entre les deux demoiselles qui se portaient bien. Quand je songe à cette enfance, une série de premières fois a pour cadre ce village. Rencontré sur les bancs de l'école, Jojo fut ma première et grande copine, celle avec qui l'on partage les grands secrets et les premières caresses intimes. La guerre et les rumeurs de libération virent affluer à nos portes toutes sortes de réfugiés. Certains jours, ils arrivaient par camions entiers contenant polonaises, hongroises ou africaines. Sur la place du village, je les contemplais fascinés. C'est là que pour la première fois, j'ai vu une petite fille noire. Je l'adorais et j'aimais particulièrement ses cheveux crépus, d'une texture tellement différente des miens. Dans un registre exactement inverse, j'ai été également subjugué par une petite polonaise, Vanda, dotée d'un teint pâle et de nattes comme les petites russes dans mes livres d'enfants. Au lieu d'être apeuré comme tant d'autres enfants, j'étais très attiré par ces êtres si différents de moi. Il est vrai que j'ai eu la chance dans mon enfance d'avoir pour camarade de jeu un cousin franco-cambodgien prénommé Jean-Loup, que j'ai tout de suite adoré. Dans ma mémoire, c'est un souvenir de chaleur qui perdure. Une chaleur qui terrasse et écrase tout, obligeant à quelques rituels comme la fermeture d'épais volets. Quand ma grand-mère voulait trouver un peu de fraîcheur, elle me prenait par la main et nous partions en balade. Nous longions d'abord la rivière où quelques lavandières venaient encore jouer du battoir et nous nous laissions nos pas nous guider jusqu'au cimetière. Les nombreux arbres qui le parsemaient en faisaient un lieu très prisé des villageois. Comme beaucoup d'autres bourgades de la région, Saint-Géniès vivait replié sur lui-même. Peu de gens y venaient, les occasions d'en sortir étaient rares. Parfois, ma mère m'installait dans le panier de son vélo. En quelques coups de pédale, nous nous rendions dans le village voisin de Saint-Bozély, commander nos robes à la coutière locale. D'autres réjouissances nous conduisaient à Saint-Maurice de Casse-Vieille, où mon père retrouvait ses anciens copains de guerre lors des grandes tablées joyeuses, où les participants ne se faisaient pas prier pour pousser la chansonnette. Il n'était pas rare que, mon tour venu, je chante « Mon bel ange va dormir », la berceuse de Mozart, ou encore ma Normandie, en m'accompagnant au piano. Quand j'ai eu l'âge d'entrer en sixième, nous partîmes nous installer à Nîmes. Ce départ vers la ville sonna le glas de mon enfance insouciante. Mais à quoi pouvait donc ressembler une grande ville? Je n'en avais jamais vu auparavant. Dès mon arrivée, une couleur s'imposa, le noir. « Je ne veux pas rester ici », fut mon premier cri de révolte. Il me fallut bien me faire une raison. Mon père ouvrit une nouvelle pharmacie située 106 chemin Bas d'Avignon, vers le cimetière catholique, juste au-dessus de la voie ferrée. La pharmacie était au rez-de-chaussée, notre appartement au-dessus. Les locomotives à vapeur glissaient de long des voies en rejetant de lourdes volutes d'une fumée noire, grasse et malodorante, qui imprégnait tout sur son passage. Les murs, les trottoirs et même le linge que ma mère s'entêtait à vouloir étendre sur notre terrasse. Tous les matins, je me rendais à pied au lycée de jeunes filles, en suivant un trajet lugubre, le long de la voie ferrée du boulevard Talabot. Il est aujourd'hui de bon ton de prétendre que l'on a été cancre ou bien rebelle dans sa jeunesse, mais je n'ai été ni l'une ni l'autre, et j'ai aimé ce lycée dès mon arrivée à Nîmes. J'aimais son architecture, sa cour. En plus,
j'avais plaisir à y retrouver de bonnes copines, dont mon amie Annie. J'avais aussi un professeur de français que j'adorais, Madame Piolet, une très jeune veuve de guerre d'un charme fou, vêtue de noir de pied en cap. Je lui dois mon amour de cette matière et mon goût de la littérature. Au bac, je fus gratifié d'un 16 sur 20 en composition française pour avoir commenté la citation tirée du poème de Verlaine, de la musique avant toute chose. En latin, cela allait encore car ma mère bétonnait avec des cours particuliers. Par contre, ma nullité en maths vous aurait donné une idée de l'infini. Quand j'ai acquis un peu plus de liberté, je me suis beaucoup promené dans la ville. J'aimais particulièrement le jardin de la Fontaine. Je me souviens notamment d'une légende que me racontait mon père. L'origine de la résurgence étant alors très mystérieuse, il prétendait que sous le bassin, il y avait une source abyssale au fond de laquelle était enfoui le veau d'or. Cela m'impressionnait beaucoup. Je craignais d'y tomber en m'approchant de trop près et d'être à tout jamais englouti. Les jardins sont aussi liés à mes premiers émois amoureux, le tout premier baiser avec un jeune lycéen, et à mes premières frayeurs sexuelles. Vers 14-15 ans, des grandes m'avaient entraîné dans le haut du jardin où sévissait un exhibitionniste à imperméable. Le Nîmes des années 1950 avait des allures de film pour teenagers, avec au programme drague sur les boulevards, Vespa, gribège et jukebox dans les cafés. En fin d'après-midi, le principal divertissement consistait à arpenter de long en large le boulevard Victor Hugo, celui du lycée Daudet, fréquenté par les forts en thème et les jeunes filles de bonne famille. On disait « faire le boule ». Moi, je préférerais aller traîner sur le boulevard Gambetta, plus ouvrier, ou mieux, sur le boulevard Amiral, Courbet et son café de l'industrie, où se retrouvaient footballeurs et supporters du Nîmes Olympique. À cette époque-là, le football était assez mythique à Nîmes, et dans nos têtes de midinette, les footballeurs symbolisaient un idéal masculin, un gage de virilité face auquel les petits boutonneux du lycée ne pesaient pas bien loin. Du haut de mes 15 ans, je dévisageais sans vergogne les Jeannot, les José, James Dean locaux en scooter, arborant blouson noir et premier blue jeans, des ragazzi tout droit sortis des futurs films de Pasolini. Je matais sans vergogne les nuées des jeunes gardiens en chemise à fleurs, évoluant dans le sillage d'un manadier célèbre ou d'un vieux peintre aristocrate. Le Nîmes de mon enfance avait quelque chose de Tennessee. Un côté putride et très secret. Il était parsemé d'austères maisons aux fenêtres protégées par des grilles en fer forgé, dans lesquelles vivaient de vieilles dames en robe de chambre, perruques, de guingois. Dès que je pouvais m'échapper, je m'asseyais à la terrasse de la grande bourse, face aux arènes. Quand un garçon venait me brancher en me demandant ce que je faisais, je prenais un air hautain avant de lui lancer « Je fais du cinéma en Italie ». Tout cela parce que j'avais lu dans un magazine que Marina Vladi tournait en Italie. Il est vrai que nous allions beaucoup au cinéma avec mes parents sans jamais nous préoccuper du genre ou du statut de l'œuvre. Une semaine, nous allions voir Nous irons à Paris de Jean Boyer et la suivante Orphée de Jean Cocteau. Mes premières actrices de cinéma avaient pour nom Pierre Angeli et Leslie Caron. Des héroïnes un peu androgynes auxquelles je pouvais facilement m'identifier. Très vite, j'ai pris l'habitude de m'habiller à travers les modes du cinéma. La découverte de Leslie Caron dans Papa Longue Jambe provoqua ma ruée sur les magasins de tissus afin de confectionner la panoplie de l'interprète. Une veste à rayures, un pantalon assorti. Dans les colonnes du journal Elle, je scrutais les petites annonces des productions recherchant la future interprète du Blé en herbe ou de Bonjour Tristesse. Des missives rédigées avec la fougue de l'adolescence restaient inévitablement sans réponse. Un an plus tard, j'allais voir le film en salle. Car si je rêvais de cinéma, en fait, en faire restait inaccessible pour la jeune provinciale sans relation que j'étais. Heureusement, d'autres expressions artistiques restaient à ma portée. Quand mon père a vu que j'usais mes espadrilles en corde à force de marcher sur la pointe des pieds, il a dit « Il faut que la petite fasse de la danse ». Et ma mère, descendante d'une vieille famille sévenole protestante, ne voyait pas cela d'un très bon œil. Elle répétait sans cesse « Lafon, histrion », ce qui traduisait bien le peu de considération qu'elle portait à cette activité. J'ai commencé la danse à 11 ans avec Nina Sereni, maîtresse de ballet à l'Opéra de Nîmes. Elle donnait des cours trois fois par semaine dans une salle de l'Opéra qui servait aux répétitions des compagnies de passage. Bientôt classée demi-caractère par mon professeur, je bénéficiais d'une relative liberté et pouvais ainsi me détacher du bataillon des ballerines. J'incarnais tour à tour le diable dans la nuit des Valpurgis et un personnage tout aussi sautillant dans les cloches de Corneville. Lorsque l'opéra a brûlé en 1952, nous avions poursuivi les cours au foyer communal, place de la Calade,
à l'emplacement du théâtre actuel, cette fois sous la direction de Micheline Bonnardi. En juin 1955, je réussis ma première partie du baccalauréat. En guise et récompense et à titre exceptionnel, ma mère me laissa quartier libre une journée entière avant notre départ pour les vacances au Gros du Roi. Ma copine Annie, plus délurée que moi, avait remarqué que des acteurs venus de Paris répétaient Jules César de Shakespeare dans les arènes de Nîmes. Elle me dit « Il y a des beaux garçons, il faut que tu viennes voir ». J'y suis allé sans être très intéressé. J'avais 16 ans et demi. Gérard Blin, un comédien de la troupe, me remarqua tout de suite et l'aventure commençait. Fait Bernadette en odeur de rétrospective. Bernadette Lafont est pour un bon et délicieux moment au Studio 43 où on l'affiche sur les murs de Paris et dans les vitrines des magasins. L'expo s'appelle Vagabondage. On la catalogue, on l'hommage, on ne peut plus la louper. Le soir de l'inauguration, elle était en retard, bien sûr. Elle tirait sur ses cheveux noirs pour les comprimer dans un chignon espagnol lustré. Les copains étaient ponctuels. Jean-Claude Brialy passait un regard vague sur l'affiche du beau Serge comme une antiquité d'une autre ère. Claude Chabrol apparaissait fringant et cordial dans un costume bleu agrémenté d'une pochette Bordeaux. Dans le hall du Studio 43, il y avait peu de monde. Il faisait bien chaud. Et la télévision diffusait la finale du foot. Malheureux organisateur. Mais déjà, des familles se reconstituaient, des sous-familles gravitaient autour et il y avait cette attente résolue, déjà pardonnée comme une disposition de haie d'honneur. La reine de la ruche est arrivée, moulée dans un tailleur gris-perle 1950, un sac plat à la main qui avait l'air de ne rien contenir, comme au cinéma, que 3 billets de 10 francs pour pouvoir repartir en taxi. Et toujours un jeu entre le buste, le sourire et le coup de jambe qui donne un air d'improvisation excitante, de possibilité de catastrophe, comme si la couture venait de se fendre, ou le talon trop haut s'était rompu, ou une lame qui ne voulait pas se faire voir perlait au bout de grands yeux brillants, effilés. Un peu chinoise par le maquillage, andalouse par la coiffure, et gitane blanche, bardeau nègre, garce sublime, pépée de tous les diables, fée du bagou, enquiquineuse de choc. Une nature décuplée, plutôt un phénomène, une humeur, dit Dominique Paigny, qui l'a faite dans son cinéma. Une droite chandelle jamais vacillante, toujours vaillante, jamais éteinte. Un symbole en mouvement, le symbole de la vitalité, donc de la vie, dit François Truffaut, qui tourna avec elle en 1957, leur premier film Émiston. Et Jacques Audiberti, à qui l'on demanda d'en rendre compte, un magnifique brin un peu épais de fille. Il eut des hauts et des bas, mais les hauts sont trop inoubliables pour ne pas enterrer les bas. La petite Bernadette se déguisait en Ophélie, faisait la ballerine pour les fêtes de charité nîmoise, assurait aux dragueurs des cafés qu'elle tournait des films en Italie et envoyait sa photo à Carlo Ponti. Imaginez la photo. Depuis qu'elle avait vu dans un cirque ambulant un acrobate marcher sur les mains, elle se mettait à faire la roue chaque fois qu'on la prenait en photo. Sa mère transforma ses jupes ballons en jupes culottes. Puis, il y eut la rencontre fatale l'année du bac dans les arènes de Nîmes lors d'une répétition de Jules César avec le beau ténébreux Gérard Blin. Maurice Pialat et Gérard Lubovici tenaient des hallebardes dans les coulisses. Gérard Blin, qui ne voulait pas que sa fiancée fasse du cinéma, la présente à François Truffaut, qui l'engage aussitôt pour les Mistons. Elle travaille par la bande et c'est celle des cahiers de Rivette, de Doniol, Vacrose et de Chabrol. En 3 ans, elle tourne pour lui Le Beau Serge, Les Bonnes Femmes, Les Gaudureaux. C'est pour ces films-là, et aussi bien sûr pour La Maman et la Putain, que Bernadette Lafont, en odeur de rétrospective, reviendra au Studio 43 rencontrer son public. Un bon filon pour les programmes de l'été. Hervé Guibert, Le Monde, 1 et 2 juillet 1984. Le théâtre. La tour de la défense, de Copy.
Déjà, les actrices de cinéma, j'aime bien. Mais Bernadette, je la préfère. Chaque fois que je vois un film avec une actrice, je me dis, je vais regarder le film en pensant que c'est Bernadette qui joue le rôle. Et du coup, je passe un bon moment. Je la vois. Je l'imagine dans toutes les situations. J'imagine que toutes les histoires lui arrivent à elle. Grâce à cette méthode, il m'est arrivé de voir des bons films là où il y en avait des mauvais. C'est très avantageux. On s'y retrouve au prix du billet. Et maintenant, elle va jouer au théâtre. Tous les soirs, elle sera là. On pourra la voir, l'entendre. Elle va parler, bouger devant nous, que pour nous. J'espère que vous vous rendez compte, chers lecteurs, la chance que ça représente. Pour la première fois de notre vie, elle va jouer en vrai au théâtre Fontaine. Alors bien sûr, elle ne va pas jouer n'importe quoi. Ce n'est pas un classique, ni une pièce de boulevard qu'elle va jouer. Non, les princesses sont rares et il ne s'agit pas de les mettre à toutes les sauces. Je dis ça pour le cas où vous croirez que Bernadette Lafont n'est que sexy. C'est vrai qu'elle est belle et attirante au point de provoquer une manifestation spontanée quand elle traverse la rue ou encore d'un simple sourire mettre la sidérurgie en grève et d'un geste gracieux. Je suis fière d'être de ses fans, ses fans. On dit fan, comment on dit ça? Fan. Alors, qui a écrit ça? Je l'ai très mal lu, bien sûr, donc je ne fais pas honneur à M. Coluche, Pariscope, 1981. Je continue, pardon. Désiré, je l'ai vu, j'ai vu ça aussi, c'est formidable. La jeune, alors, Désiré de Sacha Guitry. La jeune Nîmoise sur son vélo, jupe au vent, trop belle pour que les mistons puissent la supporter, cette apparition se transformera bien vite pour tous en une présence évidente, drôle, généreuse. Bernadette entre dans la légende en même temps que notre champ de vision et dans notre mémoire. Depuis, son magnétisme ne s'est jamais démenti. Sa générosité la poussera parfois à accepter des rôles médiocres dont elle se tirerait avec la grâce d'une princesse aimée de son peuple. Quelle chance nous avons, mes amis, de la voir dans cette pièce. Dans ce personnage que Guitry eût certainement écrit pour elle s'il l'avait connue. Après la grande Arletty, la grande Lafont, il y a des rôles qui ont de la chance. Car vous l'allez vérifier, contrairement à l'arlésienne, la nîmoise, elle est belle et bien là. Claude Chabrol, programme de Désiré. J'ai rêvé de Bernadette Lafont. C'est vrai que la chair est faible. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant par là. J'ai rêvé de Bernadette Lafont. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai du mal à me concentrer. Il m'est extrêmement pénible d'évoquer Bernadette Lafont, même petite fille, sans me sentir confusément capable de tentative de détournement de mineur. Féminin moi-même, au point de me préférer faire la cuisine plutôt que la guerre, on ne saurait me taxer d'antiféminisme primaire. Je le jure, pour moi, la femme est beaucoup plus qu'un objet sexuel. C'est un être pensant, comme Julio Iglesias. Ou moi, surtout moi. Pourtant, Dieu me piétine. Quand j'évoque Bernadette Lafont, je n'arrive pas à penser à la forme de son cerveau. J'essaie, je tente éperdument d'élever mon esprit vers de plus nobles valeurs. J'essaie de calmer mes ardeurs sexuelles en imaginant Marguerite Yourcenar en porte-jartel ou Marguerite Duras en tutu, mais non. Rien n'y fait. Et c'est ainsi. Depuis le jour où séchant les jeunesses musicales de France pour aller voir le beau Serge, cette femme qui était là cette nuit dans mon rêve, triomphante de féminité épanouie, délicatement posée sur sa sensualité endormie, cette femme à côté de qui la Vénus de Milo
a l'air d'un boudin grec. Cette femme a dardé sans le savoir dans mon cœur meurtri l'aiguillon mortel d'un amour impossible que rien au monde ne parviendra jamais à me faire oublier. Pas même la relecture assidue de Démocratie française et du programme commun du gouvernement de la gauche. Rien au monde ne pourra jamais libérer mon esprit prisonnier de vos charmes inouïs, madame. Vos yeux étranges et malicieux, où je m'enfonce comme dans un bain de champagne, incroyablement pétillant. Votre poitrine amblement arrogante, véritable insulte à l'usage du lait en poudre. Et votre dos qui perd son nom avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison. Ce n'est pas de moi, c'est une image superbe inventée par M. Brassens, qui n'eut toute sa vie que des bonnes idées, sauf celle d'être mort avant Julien Iglesias. Pierre Desproges, le tribunal des flagrants délires, 6 octobre 1923. Merci beaucoup. Bernadette. Bernadette, la Bernard, moi je l'appelle, si longtemps. Oui, elle est toujours avec nous celle-là. Merci, je vous invite à boire un verre là où vous êtes déjà passé avant, et puis on va continuer, pour ceux qui ont envie, on projette en bas dans l'amphithéâtre et juste en dessous, donnant dans la cour, les Mistons et Marie et le curé, suivi du documentaire dans lequel se trouve Photo Souvenir. Voilà. Quelle bonne. Fatigué. C'est dur, hein. En tension, tout comme ça, c'est bien. Hier ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Toutes sortes de choses épouvantables sont arrivées. Puis hier soir, donc, c'est tout en ah bon? Tout juste que je suis là. Donc, pourtant, j'ai écouté, je regarde. C'est ce qui reste pour les films. Parce qu'il faut y être. C'est ça, son problème d'habillant, je ne fais pas ça. Ah oui, j'adore, ils veulent que vous en ayez. Restez-moi la production, ça va. Merci. Attends, tu lui as pas parlé? Tu vois, elle est toujours occupée. Non, elles sont parties, les filles. Attends, ça lui fera plaisir. Là, elle avait en train de faire la fête dans ton bureau, donc là, il y a malheureusement. Une, waouh! Paf, deux! Et paf, trois, parce que j'en ai pas à l'avant. Et ça, je veux dire. Non, ma copine, elle en avait pas, mais honnêtement, j'en ai plus. Non, mais là, c'est quoi ta race? Honnêtement, si tu veux qu'on te dépanne au niveau de. Oui, si tu veux. Ouais, j'ai besoin de temps en temps. Non, mais y'a pas de soucis. Si jamais tu veux pas, je sais pas, quand tu veux. Non, il n'y a aucun souci. Tu finis comme un café. Oui, c'est